Eh bien, bonjour tout le monde, c'est GamerNFS Pro, j'espère que vous allez bien. Coupez la forme, on va pouvoir penser nickel. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, les gens, on va faire un tout nouveau tuto sur ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir au titre Alan Launcher. Alors, on va commencer comme ça, voici le programme. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'étais absent pendant 3 semaines. Alors, 3 semaines, parce que c'était galère d'aller le voir, tout ça. Bon, je pense que vous m'avez compris, c'est totalement compréhensible. Donc, voilà. Grosse période d'inactivité sur ma chaîne. Je m'en excuse, mais je fais mes vidéos quand je peux et quand j'ai envie. Voilà. Donc 3 semaines, bon, c'est pas ça forcément, c'est pas quand c'était un mois. Donc voilà. Donc là, je reviens sur YouTube pour un nouveau tuto. Et mercredi, normalement, on mettra en place. Enfin, je sais pas si elle sera disponible mercredi ou jeudi prochain, ou non, le week-end. L'épisode sur Need for Speed Pack, voilà, je mettrai, voilà, je pense qu'elle sera disponible mercredi, mais je sais pas encore une fois, donc voilà. Donc bref, on fait un petit parenthèse, donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube, le Gamers Pro. Il reste plus qu'une personne qui s'abonne, et j'ai les 60 abonnés, merci infiniment à vous. Donc voilà, tu as la cloche de notification pour que vous ne puissiez aucune vidéo, et de commenter cette vidéo, de mettre un avis sur ma vidéo pour voir si ça fonctionne ou pas, votre poste. Donc voilà, votre tuto, donc voilà. Donc plus un abonné sur ma chaîne et après on atteint les 60, je vous en remercie. Donc comme d'habitude, c'est des personnes, si je reçois une notification de personnes abonnées, j'affiche sur la vidéo. Donc voilà. Et donc bah les gens, c'est parti, je balance l'intro pour la vidéo tuto. On se met en format tuto, c'est parti, let's go. Ok, les gens, donc voilà, donc là on est sur mon PC pour la vidéo tuto. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur mon PC tranquille. Donc on va pouvoir tout simplement faire la vidéo. Donc voilà, alors ça sera une extension et une application à installer sur l'ordinateur. Alors ce sera beaucoup plus mieux que ma dernière vidéo. Là on va pouvoir vraiment avoir on va pouvoir avoir une pépite. Donc voilà, on va pouvoir avoir ce genre de statut. Voilà, parce que mon frère possède un PC maintenant. Et on va pouvoir posséder, on pourra tout simplement posséder ce genre de statut qui est actuellement présent ici. Donc voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir avoir ce genre de statut sur votre PC. Alors, c'est parti, on va commencer avec la vidéo. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, vous allez du coup vous rendre sur votre navigateur internet. Non, attendez, excusez-moi, vous allez encore aller sur Discord. Alors Discord il bug, je sais pas pourquoi. Vous allez dans paramètres utilisateurs. Vous allez dans statut d'activité. Donc vous cochez à chiffre l'activité en cours en tant que message de statut. Une fois que cela est fait, ou vous vérifiez si cela est fait, vous décochez, enfin vous fermez la fenêtre et vous redirigez sur votre navigateur internet. Vous allez du coup vous rendre dans le lien qui sera en description de cette vidéo. Où vous tout simplement Premid, ici. Vous allez tout simplement cliquer sur. Vous allez tout simplement rechercher Premid. Voilà. Alors, ce n'est pas le bon truc. Voilà. Vous allez sur Premid Home. Donc le premier site que vous voyez à votre écran. Et donc voilà, vous pourrez avoir ce genre de statut. Voilà, totalement personnalisable. C'est un truc de fou, les gens. Vous. C'est insane, on pourra avoir ce genre de statut. Donc totalement personnalisable, hein, voilà. Donc voilà. Alors, vous allez du coup aller dans téléchargement. Il y aura des pubs qui se apparaîtra à l'écran. Vous cliquez sur close ou vous skippez. Là, vous allez télécharger Premid dans un premier temps. Alors, en un premier temps, on va télécharger Premid. Donc, vous choisissez votre plateforme auquel vous êtes, donc soit sur macOS, soit sur Linux. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Essayez de faire des paramètres pour Linux. Ou soit vous êtes sur Windows, c'est le meilleur choix, sûr. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton Windows. Et donc la publicité apparaîtra en haut à droite. Si je me trompe pas, il y aura un décompte. Et une fois que le décompte est terminé, vous allez cliquer sur suivant.
Une fois que cela est fait, vous devez enregistrer le fichier de téléchargement. Donc pour un part maintenant téléchargement et le fichier s'installe. Pour info, il va falloir avoir Discord allumé pour l'installation. Voilà. On va acheter notre dossier et on va double-cliquer sur le fichier d'installation. Ça va ouvrir une fenêtre dans laquelle on va devoir installer Premid. Donc voilà, on est sur le setup de Wizard, donc voilà, de Premid. On va aller sur Next. On va faire accepter le règlement, j'appelle ce règlement est en anglais. On va faire Next et on va faire Next. Alors, je rappelle, il va falloir une très bonne connexion si ça fonctionne. Donc, si vous avez des applications ouvertes, fermez-les pour une meilleure. Sinon, ça ne fonctionnera pas tout simplement, ça échouera la connexion. Alors, je parle de personnes qui n'ont une mauvaise connexion. Moi, pour ma part, je suis câblé, donc j'ai aucun problème là-dessus. Donc, voilà, tout simplement que le téléchargement se finisse. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est en train de faire tout pour que. Ça fonctionne. Un petit décompte de pourcentage. Et donc voilà. Et donc là on a fini l'installation à faire pouvoir next. Donc vous, ça va faire un petit lag. Ne vous inquiétez pas. C'est en fait Premid se lance automatiquement dans vos barres de tâches. Donc là, on va ouvrir une nouvelle page comme quoi. Bon, on s'en fout, voilà. Comme quoi que vous avez installé Premid. Et voilà. Et donc là, on a Premid. Donc, Premid se situe dans les icônes. Vous appuyez sur la flèche du haut. Donc, là, avec toutes vos icônes avec votre application allumée. Et là, en fait, c'est simplement un petit truc blanc comme ça. C'est marqué Premid. Vous faites double-cliquer. Donc là, on peut voir qu'il faudra télécharger une extension. Extension qui n'est pas encore téléchargée. Sur notre navigateur, on peut quitter la page. Et donc là, sur ça, on va du coup se rendre dans extension. Et on va choisir un navigateur internet. Donc pour ma part c'est Opera. On va faire d'accord. Pareil, un décompte avec des pubs que vous skippez. Non, c'est tout parce que les pubs c'est du fake. Et donc là ça vous montre sur Google, sur Chrome Web Store. Avec Premid, on va faire ajouter à Opera. Et on va faire ajouter une extension. Et voilà, Premid a bien été ajouté. Et donc voilà, encore une fois on dit que on va télécharger l'extension. Maintenant on va se rendre sur le petit cube où sont vos extensions de votre navigateur internet. Vous allez sur gérer les extensions. Ici vous avez Premid. Alors on va épingler tout ça parce qu'il faut épingler pour pas que ça, parce qu'on va épingler. Donc pour cela vous allez sur la petite fiche ici. Donc les Premid et dans vos extensions. On quitte la page. Et donc là, on va cliquer ici. On va déjà vérifier si le Premid est bien déconnecté. Il s'est marqué extension connected. Donc voilà. Donc là, on va cliquer sur le logo ici qui se trouve dans l'extension. Et direct, voilà, on a Premid. Donc, on pourra. Alors là, on a les présences. C'est-à-dire ce que Premid a par défaut comme statut d'activité Discord. Alors là, on a YouTube. Alors oui, je rappelle, il faut que vous soyez connecté aussi. Hein, voilà. Quand ils sont en train de scène, ça fonctionne pas. Donc, on aura YouTube, on aura YouTube Music, on aura Twitch, on aura SoundCloud, parce que c'est, on aura même Netflix. Vous réglez tout ça, les encodages pour permettre vos présences. Donc voilà. Alors, on va faire un petit test avec YouTube par exemple. Alors pour cela, vous allez du coup juste vous rendre dans YouTube et pour que Premid enregistre les modifications. Vous allez faire CTRL plus R centre clavier. Ça va rafraîchir la page et normalement tout de suite vous aurez tout ça. Et voilà. Et donc voilà. Et donc là ça met YouTube navigue à travers de la chaîne Le Gamer NFS. Et ça suit absolument tout ce que vous faites sur YouTube. Donc voilà. Donc voilà un premier statut que vous pouvez avoir. Donc voilà. Ici on a accueil, ça met organe des prêts, ça met végétation de la page d'accueil. Voilà. Si on clique sur une vidéo, mais c'est que j'ai pas forcément, ça va crash. Vous testez là vous-même, normalement, c'est bon. C'est bon. Vous cliquez par exemple sur cette vidéo-là d'Azulex, ça va vous mettre exactement. On aura même le rich présence. Donc, on va cliquer sur la vidéo, mais je vais pas à la regarder. Voilà. Ah, ça me détecte même que vous regardez une pub si vous avez YouTube normal et pas YouTube Premium.
que sur YouTube Premium, vous n'avez pas de pub. Ah, voilà. Alors, ok, non. Donc, excusez-moi si mon PC il lag, c'est des lags dans la vidéo, je sais pas. Alors, là, on va mettre juste le son à zéro, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Le bouton est de retour. Impossible de l'ignorer. Et donc, voilà ce que ça fait sur votre Discord à vous. Donc, ça fait un rage présent. On va pouvoir voir votre vidéo auquel vous visionnez et acheter la chaîne de YouTubeurs que vous regardez. Donc, voilà. Voilà, et ça met exactement ça. YouTube, la mini maison la plus simple dans le monde de Thaïlande. C'est-à-dire ça, ça les deux. Et on voit bien à côté le nom. On peut voir la chaîne, acheter la chaîne. Pour les autres membres qui sont sur Discord. Assez stylé non plus. Donc voilà, on a la possibilité de désactiver notre reach présent. Pour cela, vous recliquez sur le petit bouton ici. Ça va vous ouvrir Prebid. Et vous devez aller décocher le bouton. Et faire cet RR pour enregistrer les modifications. Alors cet RR sont sur 3 carrés. Et votre reach présent se désactive. Alors il se peut qu'il y a des bugs dans ces cas-là. Veuillez quitter Prebid totalement. En allant dans votre icône, clique gauche et quittez Prebid. Normalement, il n'y a pas de bug. Si vous le faites bien. Maintenant, on va voir, apprendre à avoir vraiment un statut totalement personnalisable. Donc pour cela, vous allez tout simplement aller vous rendre dans Prebid. Et vous allez aller sur la petite étiquette là. Alors, non, c'est pas celle-là. Alors vous allez dans magasin de présence. Ça va vous faire une page store où il y a plein de statuts personnalisables à mettre dans les présences et à régler par vous. Même Instagram par exemple. Il y a Google, Steam, Spotify Podcast, tout ça, même TikTok. Donc voilà. Alors nous ce qu'on cherche c'est custom statut. Voilà. On va faire ajouter à la présence. Vous devez tout simplement chercher custom statut. Il a disparu. Vous allez vous rendre dans Prebid. Et donc voilà, on est dans la présence. Donc là, on a custom statut qui est totalement déjà coché. Tout ça maintenant, il faut le lien. On va devoir aller chercher le lien pour avoir le site pour customiser le statut parce que là, on peut pas le personnaliser comme ça. Alors, vous quittez Prebid, vous quittez les pages, vous quittez tout en fait compte. Donc vous allez vous rendre sur YouTube et vous allez marquer comme vous allez marquer comme je suis dans la boîte de recherche. Vous allez cliquer sur cette vidéo là. Merci à lui parce que comme ça il y a le lien dans la description. Donc voilà. Et cliquez sur plus. Dans cette description il y a le lien pour simplement personnaliser notre statut. Alors moi je l'ai déjà fait avant du coup. Tous mes modifications sont déjà enregistrées. Et donc voilà on a un statut. On a un statut ici. Alors de base il n'y aura rien. Donc voilà. Donc ici, dans détail hypertext, c'est par exemple, vous mettez ce que vous voulez, hein, mais en fait c'est le haut de votre statut. Stat lower text, c'est le 2, c'est joue à quelque chose, joue ou regarde quelque chose. Ici, je vais vous apprendre à mettre une image personnalisable, mais on peut en mettre une par le site. Donc voilà, et donc voilà ce que ça rend, voilà, ça fait ça. On peut avoir un reach présent, hein, des boutons. Sur notre PP. Et donc voilà, moi c'est assez stylé. Et on peut faire plein de choses. Et c'est beaucoup mieux que cette Discord Activity. Du coup, moi ce que je vous conseille c'est Prebid. Au lieu de cette Discord Activity. Je rappelle, il faut de la connexion. Sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, maintenant on va apprendre du coup à avoir un totalement personnalisé. Donc là, je vous ai déjà expliqué. Maintenant pour l'image et pour cette image là et pour cette image là, je vais vous apprendre. Alors vous allez tout simplement ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez tout simplement mettre une image que vous voulez mettre. Imaginons on va mettre une image de PlayStation. On va mettre PlayStation. Alors. PlayStation, voilà, on va mettre PlayStation, on va mettre PlayStation 3, tiens, on va mettre juste image, voilà, on va mettre juste image. Et donc voilà, on peut avoir n'importe quoi. Donc bon, là c'est pas vraiment des images qu'on veut, on va mettre PlayStation 4, imaginons, vous mettez le logo, hein, vous mettez le logo, parce que là, sinon ça va pas fonctionner. Logo.
ou une image de PlayStation 4. Et donc voilà. Imaginons ça là. Voilà, faites clic gauche et vous allez copier la tête de l'image. Donc bon, vous ça sera pas déjà fait, vous ça sera comme ça. Ça sera comme ça au départ. Donc là vous pouvez sélectionner des images par rapport à Primid, à Custom Statue. On peut tout simplement faire custom. On mettra l'URL de l'image. Et on fait clic gauche sur là-bas devant où on peut écrire et coller. Donc voilà, notre image a bien été copiée sur le custom statue. C'est pareil pour la deuxième image. Donc voilà, on va prendre la même au pire, on peut se casser la tête. On peut mettre littéralement la même. Et voilà. Alors, l'image peut être dégradée, hein, voilà, en fonction de ce que vous prenez. Voilà, il faut quand même bien regarder les dimensions. Mais normalement, c'est automatiquement pris par défaut. Alors, et ben voilà. Donc oui, donc voilà, la dimension n'est pas parfaite. Hein, voilà, là, le logo PlayStation, c'est le PlayStation de Wish. Bref, voilà. Comment on fait du coup pour voir les boutons? On sait pas ce que c'est. Smile, image, texte, je sais pas ce que c'est. Vous regardez pas vous-même. Donc là, on a les boutons pour avoir un reach présent. Alors là, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez le nom de votre bouton et vous mettez un lien où le lien est totalement accessible. Voilà. Vous pouvez mettre deux boutons minimum. On peut avoir notre temps. Donc on peut soit avoir un temps défini, hein, voilà, comme voilà, ou un temps personnalisable. Donc on va cliquer sur le temps personnalisable et vous mettez ce que vous voulez. Donc 6 minutes 39. Voilà. Et donc voilà, on a un temps personnalisable. Alors, c'est bloqué sur 0 minutes. Donc on va faire un 7R plus. 7R plus R pour résumer. On a fait des problèmes de modification et pas trop en charge. Alors, il n'y a plus de temps. Bon, des fois ce site il bug, hein, donc voilà. Bon, je vous conseille de mettre Showtime Explode qui mettra un temps comme tout le monde en fait. Donc voilà. Et donc, c'est fini pour la custom. C'est beaucoup mieux que sur cette Do Discord Activity. Et moi j'utiliserai maintenant ce genre de choses. Après, c'est comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille du coup Primid. Voilà. C'est très, 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 très bien comme ça. Alors, voilà. Ce site, il faut savoir qu'il est en maintenance. Ils font des mises à jour. C'est un très bon site. Et, zéro virus dedans. Donc, quand c'est comme ça, quand il est en maintenance, votre reach présent est totalement en maintenance aussi. Vous ne pouvez plus rien faire. Si le site est en maintenance, c'est tout qui est en maintenance. Jusqu'à que le site ouvre. Voilà. Comme ça, déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc voilà, et donc vous avez un statut totalement personnalisable. Donc là on a le rendu de notre... Alors on peut pas enlever custom statut, ça on pourra pas. Mais en vrai c'est pas trop grave. Vous pouvez tout simplement enlever les présences, voilà, c'est à votre façon. Voilà, donc on a un statut totalement personnalisable. Et bien voilà, pour le désactiver il faut quitter le site. Moi je veux continuer de l'enregistrer mais moi je le fais pas. Vous quittez le site. Et vous allez voir dans son Primid et vous décochez la case custom statue tout simplement dans les présences. Hop, on désactive. Alors moi je me rends sur ma chaîne parce que la vidéo j'ai pas trop le tubeur, moi je suis juste venu pour ça. Et vous faites un seul R plus R pour enregistrer les modifications car c'est pas automatique. Et voilà, plus de statues. Et ben voilà, c'est très très pratique. Il y a beaucoup de gens, il y a très peu de personnes qui utilisent ça. Et pareil pour cette discontinuité, parce qu'on ne sait pas. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le statut vient de se réactiver. Donc quand c'est comme ça, c'est à dire que c'est bugué. Et oui, le truc est pas très fiable. Du coup, il faut quitter Primid. Voilà, vous quittez Primid, donc là, il y aura vraiment plus rien. Donc là, ça sera totalement coupé. Si vous voulez le remettre, il suffit dans l'envoi de tâches. Et de chercher Primid. Voilà, Primid il installe sur ton... Il est pas dans le bureau, il est juste dans le bas de tâche. Alors, je l'ai passé certainement. Voilà, Primid il vient dans un petit dossier. Vous décochez le dossier, vous avez Primid. Vous le lancez et ça se met tout automatiquement. Donc voilà, alors le rec a été de très mauvaise qualité. Je sais pas ce qu'il y a eu aujourd'hui. Donc là, c'est seulement 60 Hz. Bon, je sais pas ce qui s'est passé avec mon rec. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il y a eu PC. Bon, d'habitude, je passe comme vous pouvez le voir. Mais voilà. Bah cette vidéo est terminée, merci de l'avoir visionné. Donc voilà, vous avez appris comment avoir dessus totalement personnalisable.
Personne ne les absorbe. Tous les appareils sauf mobile. Alors voilà. Et ben sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une vidéo sur l'épisode Need for Speed Backpack. Et voilà. Et ben vous êtes des boss. J'espère que tout vous aura plu. C'était GamerS Pro. Ciao.